J'ai comme l'impression que ce communiqué a été rédigé déjà dans le laboratoire du PCT. Et ils sont venus juste mettre la signature. Parce que là, on voit les cadavres des communiqués que rédige souvent Monsieur Ngakala lorsqu'il se retrouve au Politburo. Donc, rien que la forme, non seulement ils se contredisent, mais en même temps, ils reprennent les éléments de langage du pouvoir. Qu'est-ce que nous? Ils parlent de spéculation. Lorsque vous avez entendu Coliné Makosso, il a parlé de spéculation. Lorsque vous avez entendu Tati Mabiala, il a parlé de spéculation et que nous voulons mettre en danger la paix. Donc, rien que sur la forme, ce communiqué va en contradiction avec la vocation même de cette église. Mais mieux, lorsque le lendemain, l'archevêque de Brazzaville, Monsieur Bienvenu, Manamika, vient en célébrant sa messe, donc le lendemain, après les 2 heures chrono où ils nous ont voulu nous faire croire qu'ils ont eu à examiner à la fois l'accord cadre et les accords spécifiques, dont les plus sensibles, les accords de défense et de sécurité, les plus sensibles, les accords sur l'exploitation pétrolière, minière, les plus sensibles, les accords sur la cession, concession ou la vente des terres, parce que personne n'a pris conscience de ça, et les accords avec Cristal Venture. Monsieur Baminika, au regard de la fronde qui s'est organisée quasiment un peu partout, revient pour se mettre dans le doute en se mettant dans une posture. Il dit, ah tiens, vous savez, s'il y a un souci où on ne nous a pas donné tous les accords, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du pouvoir. En tout cas, nous ne sommes pas des corrompus. Personne n'a dit que vous étiez des corrompus. Ah, nous n'avons pas peur. Personne n'a dit que vous aviez peur. Ça veut dire quoi? Vous voyez bien que ces histoires d'accord, c'est du banditisme en bande organisée. Du banditisme en bande organisée. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire, voilà l'accord cadre, voilà les accords spécifiques, et regardons les interréactions. C'est l'opacité totale. Raison pour laquelle il a dit, il a été obligé. Oui, certainement, il a reçu des coups de fil de ses confrères, où il disait, ah, s'ils nous ont caché. Ben oui, c'est pas qu'ils vous ont caché, c'est vous qui avez joué le jeu du pouvoir. Bonjour Guy Mafimamotoki. Monsieur Christian Perret, bonjour. Très heureux d'être là, comme d'habitude, et puis très heureux de continuer notre sacerdoce, mais le vrai, pas celui que nous allons examiner tout à l'heure. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes opposant politique congolais, résident en France avec une voix qui compte beaucoup dans la sphère politique congolaise. Pour preuve, dès la publication du communiqué de la conférence des évêques de l'Église catholique du Congo-Brazzaville, notre standard était saturé d'appels téléphoniques. Nous suggérons de vous faire intervenir sur la question et donc merci d'avoir accepté notre invitation. On rappelle, jeudi 23 mai 2024, à 15 h, s'est tenue à Brazzaville une rencontre entre les évêques de l'Église catholique du Congo-Brazzaville et Anatole Coliné Makosso, assisté de 7 autres membres de son gouvernement. Une rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué des évêques, visiblement soutenant les accords cadres de cession des terres du Congo-Brazzaville au Rwanda, dont voici le reportage. Suivez. Dans le but de mettre l'Église au parfum de ce qui se fait dans le cadre de la bonne marche du pays, avec le chef du gouvernement, il s'est agi des questions de sécurité avec les opérations en cours pour assainir les quartiers. Certains médias de mauvaise augure s'amusaient à désinformer les populations en faisant croire que le Congo avait vendu des terres au Rwanda. Au cours de cet échange, les questions juridiques et politiques autour de ce sujet ont été évoquées et clarifiées. Aucune terre n'a été vendue et rien n'a été dissimulé. Les évêques ont eu l'opportunité de consulter en détail tous les documents concernés. Nous avons été reçus par Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement,
quelques ministres, collaborateurs. Nous avons échangé sur les questions essentielles pour le bien-être du peuple congolais, particulièrement la question des terres, des accords avec le Rwanda. Le gouvernement a fourni des éléments objectifs que les évêques ont pris note. Ce qui est intéressant, je pense, c'est l'explication de ces accords avec un langage de compréhension pour apaiser les inquiétudes du peuple. Les accords sont clairs. Il ne s'agit pas de sécession ou de vente de terre. Alors, nous, les évêques, on a pris note. Nous aurons notre temps d'évaluation et de voir les modalités de communication pour le dire avec des mots simples au peuple de Dieu. Ce dialogue avec les évêques participe à la sensibilisation et à la moralisation des populations concernant les grands enjeux d'État. Voilà. Guy Mafimba Motoki, depuis quand le gouvernement du régime totalitaire de Denis Sassou Nguesso s'explique-t-il devant la conférence des évêques de l'Église catholique du Congo? Et rappelons dans le même temps que le Congo, c'est quand même un pays laïque. Je pense que depuis que l'évangile selon Saint-Denis est rentré dans les églises du Congo-Brazzaville, depuis que l'évangile de Saint-Denis est rentré dans les églises du Congo-Brazzaville, nous sommes en train d'assister à une trahison de la foi. Mais en réalité, monsieur Christian Perrin et tous ceux qui nous écoutent, ce qui s'est passé s'inscrit dans une logique du pouvoir. Depuis qu'ils sont arrivés par les armes, donc comme on sait, à chaque fois qu'il veut faire passer une orientation, un projet ou quelque chose qui n'est pas admis par l'ensemble de notre population, sinon la majorité, ils mettent en place le stratagème. Vous savez pertinemment que les syndicats ont été détruits, l'école détruite, ce qui fait que nous n'avons pas les intellectuels comme on peut les avoir au Sénégal dernièrement, pour monter au créneau lorsqu'il y a une problématique d'intérêt national qui se pose. Les partis politiques détruits, d'autant plus que aujourd'hui les partis de l'opposition sont bouche cousue, et bien entendu les deux assemblées, les deux chambres de parlement, ce sont des assemblées godillots, parce que un problème d'intérêt national bouche cousue, et aujourd'hui bien entendu c'est l'Église qui avait encore une certaine crédibilité auprès de nos populations. Même si vous et moi, nous avons été à Brazzaville lorsqu'il y a eu ce changement de la Constitution, on a vu dans quelles conditions ils étaient très, mais véritablement, réservé, ils marchaient oui, sur les œufs, très réservés. D'ailleurs, le communiqué qu'ils avaient sorti à l'époque, il fallait véritablement faire un forcing pour qu'ils sortent le communiqué. Bref, cette Église aujourd'hui, après les fameux accords 2021, avril 2022, la visite de M. Denis Sassou Nguesso, les différents accords qui ont été signés, entérinés, on a vu le PCT aller à Kigali pour participer au fameux congrès du FPR, on a vu Castanou aller faire de Kagame son l'éloge de Kagame après, comme son modèle. Voilà, comme le modèle, et depuis, se sont rendus compte que depuis la mobilisation que nous avons impulsée, que nous avons à travers votre média le 17 avril 2022, cette contestation a pris corps au sein de la diaspora et à l'intérieur du pays. Les voix se sont élevées pour dire on ne veut pas ces accords, on veut connaître la vérité, on ne veut pas les Rwandais dans notre pays. Et ils sont en difficulté. Le pouvoir est en difficulté. À l'intérieur du système, ils sont en difficulté. Je vais vous faire remarquer que le PCT n'a jamais pris position par rapport à ça. D'ailleurs, la dernière sortie du porte-parole du PCT, M. Iloki, lorsqu'on lui pose le problème sur les accords, il a demandé à Hercène Sévérin, un de vos collègues, de se référer à M. Christel Sassou Nguesso qui a signé les accords. Et ils nous ont fait sortir dernièrement qui le fameux patron de l'opposition, nommé par le pouvoir, qui s'appelle Tachi Mabiala. Et l'Église est devenue
la carte ultime pour imposer l'opium du peuple. Parce que, monsieur, pendant le système PCT parti unique, mais les églises ont été considérées comme l'opium du peuple, spoliées, on va y revenir, torturées un certain nombre d'évêques, dont le cardinal Bérénice depuis Massamba Déba, jusqu'à ce que mort survienne. Et aujourd'hui, avec cette mise en scène tragique, méprisable, grave, en tant que contentieux historique, le PCT vient de déclencher en fait une espèce de bombe atomique en espérant que l'opium va être injecté parmi les populations afin que la fronde, la contestation puisse se tasser. Mais je pense qu'ils ont tout le contraire de ce qu'ils ont eu parce que nous allons démontrer à quel point cette Église est dans la compromission. Et ils viennent de prendre une responsabilité historique s'ils ne reviennent pas sur leur communiqué et que demain, lorsque nous mettrons devant l'histoire, devant la justice, les autorités de Brazzaville, ils seront aussi rendus coupables de cette forfaiture. Alors, c'est comme toute dictature d'ailleurs qui utilise l'Église pour endormir les populations. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une mise en scène, c'est-à-dire, que voulez-vous dire par là? Une mise en scène comment? Mais regardez seulement le communiqué. Bon, mise en scène pour comment? Dans la forme déjà. Ça fait 2 ans que nous sommes en train de démontrer que ces accords sont juridiquement infondés, que ces accords sur le plan politique national, j'y reviens pas, on en a parlé longuement, ça va nous créer des problèmes avec les Hutus qui sont là et ça va nous mettre en difficulté tant sur le plan de la Concorde et autres, et autres, sur le plan géopolitique et géostratégique, parce que le Congo est devenu un facteur d'instabilité. On a vu ce dernièrement avec le coup d'État où on a reçu des obus. Donc, sur tous ces aspects, depuis 2 ans, c'est aujourd'hui que, comme par hasard, les églises se mettent debout pour aller examiner. Première chose. Deuxième chose. Est-ce que l'église est mieux placée aujourd'hui alors que il y a les deux chambres qui sont là? Alors que il y a d'autres composantes, vous savez, dans la constitution de M. Denis Sassou Nguesso, il y a le Conseil consultatif des notabilités. Dans la constitution de M. Denis Sassou Nguesso, il y a le Conseil consultatif de pas mal de choses, des ONG, je ne sais pas quoi. Toutes ces institutions n'ont pas été consultées, ni l'opposition, ni la société civile. Automatiquement, on nous fait venir la fameuse le clergé Conférence. congolais. La conférence épiscopale. Mais maintenant, toujours sur la forme, il faut lire tout simplement leur communiqué. Moi, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. C'est le fait qu'en 2h30 chrono, ces gens sont devenus des juristes, des politologues, des géostratèges et des anthropologues, des historiens, pour acter le fait que ces accords sont juridiquement fondés, il n'y a pas de souci. Ils ont pris connaissance de l'accord cadre et des accords spécifiques, donc ils se contredisent parce que dans leur communiqué, ils disent qu'ils ont eu seulement possession de l'accord cadre, qui n'est que l'armature, l'architecture. Donc ils n'ont pas eu des accords spécifiques. Mais ils viennent quand même notifier que ces accords sont actés sur le plan juridique. Mais il y a quelque chose de plus grave. Pour montrer dans la forme que ces gens sont dans la forfaiture. Regardez ce qu'ils écrivent à la fin du communiqué. Les évêques du Congo-Brazzaville exhortent le peuple de Dieu, à toutes les personnes de bonne volonté, à ne pas céder aux spéculations et au genre de et tout genre de nature à perturber la paix et la tranquillité des esprits. Ça vous rappelle quoi la fameuse phrase? La paix et La la paix. tranquillité. La paix chèrement acquise, oui. Bon, et monsieur Christian Perrin, je suis très vicieux. J'ai comme l'impression que ce communiqué a été rédigé déjà dans les laboratoires du PCT. Et ils sont venus juste mettre la signature. Parce que là, on voit les cadavres des communiqués que rédige souvent monsieur Ngakala lorsqu'il se retrouve au Politburo. Donc, rien que la forme, non seulement ils se contredisent, mais en même temps, ils reprennent les éléments de langage du pouvoir.
Qu'est-ce que nous... Il parle de spéculation. Lorsque vous avez entendu Koliné Makoso, il a parlé de spéculation. Lorsque vous avez entendu parler, lorsque vous avez entendu Tati Mabiala, il a parlé de spéculation et que nous voulons mettre en danger la paix. Donc, rien que sous la forme, ce communiqué va en contradiction avec la vocation même de cette église. Mais mieux, lorsque le lendemain, l'archevêque de Brazzaville, Monsieur Bienvenu Manamika, vient au cours de, en célébrant sa messe, donc le lendemain, après les 2 heures chrono où ils nous ont voulu nous faire croire qu'ils ont eu à examiner à la fois l'accord cadre et les accords spécifiques, dont les plus sensibles, les accords de défense et de sécurité, les plus sensibles, les accords sur l'exploitation pétrolière, minière, les plus sensibles, les accords sur la cession, concession ou la vente des terres, parce que personne n'a pris conscience de ça, et les accords avec Cristal Venture. Monsieur Baminika, au regard de la fronde qui s'est organisée quasiment un peu partout, revient pour se mettre dans le doute en se mettant dans une posture, il dit, ah tiens, vous savez, s'il y a un souci où on ne nous a pas donné tous les accords, ben, ce n'est pas de notre faute, c'est la faute du pouvoir. En tout cas, nous ne sommes pas des corrompus. Personne n'a dit que vous étiez des corrompus. Ah, nous n'avons pas peur. Personne n'a dit que vous aviez peur. Ça veut dire quoi? Les évêques ne peuvent pas tromper leur peuple, jamais. Et retenez ça, les évêques du Congo ne peuvent pas tromper leur peuple. Les évêques du Congo aiment leur peuple et ils aiment la vérité. Ils ne vous ont pas trompé. Alors attention. Nous disons ce que nous avons vu. Et si les autres en face sont trompés, c'est leur problème. S'ils ont menti aux évêques, c'est leur problème. Mais nous avons dit ce que nous avons vu. Yamuna, c'est tout. Ceux qui m'ont sous ce exali, ça c'est leur problème. Mais nous n'avons pas vu ça. On a dit ce que nous avons vu. Les évêques aiment leur peuple. Les évêques ne sont pas corrompus. Jamais. Je ne suis pas corrompu. Jamais. Je n'ai pas reçu un sou. Je parle avec mon cœur et je reste dans la vérité. Jésus dit, consacre-les dans la vérité. Jean 17, 17. C'est ce que les évêques essaient de faire. S'il y a de la tromperie quelque part, ce n'est pas au niveau des évêques. Quand les évêques disent qu'ils ont vu les textes et que les terres n'ont pas été vendues, quand ils disent qu'ils ont vu les textes et que les terres n'ont pas été cédées, c'est la vérité des textes qu'ils ont vus. Maintenant, si on a caché d'autres textes, ça c'est leur problème. Et j'assume ce que je dis. Les évêques ont dit la vérité. Voilà. Et je répète, s'il y a un mensonge, ça ne viendra pas des évêques. Si Basuswana, si gouvernement abomine Makamo, les actes à problème là. Ça veut dire que ce monsieur s'est rendu compte que le stratagème a été mis à nu et que cette compromission pour que dans les différentes églises, parce qu'il y a un maillage, parce que 70% des Congolais sont catholiques, enfin sont chrétiens, que l'évangile selon Saint-Denis n'allait pas passer. Parce que le peuple a regardé. À mon équilibre, Jacob, raison pour laquelle il est revenu sur ses positions. Et il se met dans la posture de celui qui va dire, ah, moi, je suis pour rien. Voilà comment le stratagème a été mis à nu entre le pouvoir et l'Église, qui joue le plus mauvais rôle, alors qu'il a déjà joué des très mauvais rôles dans l'histoire de notre pays. Évidemment, lorsque Monseigneur Bienvenu Namika vient se justifier, s'expliquer, comme qui dirait, qui s'explique, s'accuse, parce que finalement personne ne lui a posé la question, c'est eux qui ont rédigé leur communiqué, et dans le communiqué, comme vous l'avez dit, on ne ressent même pas comme qui dirait, la nature même du communiqué. Lorsque vous lisez, il n'y a rien de religieux, on ne parle à pas du tout, il n'y a aucun indice là-dedans qui peut refléter que ce sont des religieux qui ont écrit ce communiqué. Mais j'ai cru lire une tribune hein, qui a été mise en ligne
par un ancien journaliste de la Semaine africaine qui semblait dire qu'il doit y avoir un membre du Parti congolais du travail parmi ces évêques. Et lorsque vous êtes en train de décrypter ce communiqué avec les termes utilisés, évidemment, on a l'impression de suivre ou d'écouter ou de lire un communiqué venant du Parti congolais du travail. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a eu là une manipulation politicienne? Mais on a même pas à se poser des questions. Oui, je vous ai dit, le stratagème, c'est d'aller prendre une composante de la société, force vive de la nation qui s'appelle l'Église, pour accompagner en fait une forfaiture. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Comme ils ont tenté l'essai avec Tchatchi Mabéla, ça n'a pas marché, et le PCT bouche cousue, comment arrêter la fronde? Bah, on va prendre les Églises, vous savez, c'est des autorités morales et autres. Or, cette Église, mais pas l'Église que nous avons connue qui a fait preuve de théologie de la libération. On va y arriver depuis le cardinal Émile Biaïnda, qui était dans une posture christique lorsqu'il a été assassiné avec Marie Ngouabi, parce que ces gens voulaient de l'unité et de la liberté dans notre pays. Ils ont été assassinés pour ça, on y reviendra par contre. Cette église a été reconfigurée pour accompagner en fait le pouvoir. Vous êtes journaliste, allez regarder en juillet 2015. Le Monde, le journal Le Monde ici en France, avait fait un travail d'investigation sur le rapport entre les églises et la politique au Congo-Brazzaville. Mais souvenez-vous, nous sommes en 2015, lorsqu'il y a des élections, on a vu un fameux pasteur qui s'appelle Yokangendi, à qui on donnait la possibilité de faire des meetings. Et qu'est-ce qu'il disait? Ah, Sassou sera le président, celui qui va se mettre devant Sassou, il n'est pas avec Dieu. On a parlé tout à l'heure des difficultés des évêques de sortir ces choses-là. L'Église a été reconfigurée de cette manière-là. Mieux, depuis que Sassou leur a construit, c'est pas Sassou, c'est l'État congolais qui devait leur construire, un siège semblant neuf à la cathédrale. Ces gens sont devenus comme des obligés du pouvoir. Regardez comment ces gens-là organisent les manifestations dans l'Église. Je n'ai jamais vu un tapis rouge dérouler dans une Église. Ils le font dans les églises à Brazzaville. Regardez comment l'épiscopat se met à quatre pattes pour organiser des messes privées pour des activités privées de M. Denis Sassou Nguesso et des hommes du pouvoir. Dernièrement, d'ailleurs, j'ai vu un oligarque du pouvoir, je crois que c'est un officier, qui a fait rentrer un bœuf vivant dans un pousse-pousse dans l'église, soi-disant pour célébrer ses galants qu'il a eus. Dans l'église, un pousse-pousse. Dans l'église, mieux. Regardez, à chaque fois que un évêque est ordonné, il a quoi en retour? Un VX. Mais vous et moi, lorsque nous avons grandi, les évêques, les hommes de Dieu, étaient dans les quartiers, soit ils sont dans une bicyclette, soit à pied, mais c'est comme ça qu'ils peuvent humer les souffrances de Évidemment, leur oui, pays. ils avaient une vie tout à fait modeste. Mais est-ce que c'est le fait de Modeste et tellement de... ordinaire. Oui, bien entendu. Mais est-ce que c'est aussi le Voilà. fait de flirter avec les dignitaires de cette dictature? Parce que on a vu les évêques chez, vous l'avez d'ailleurs rappelé, chez le général Ndengue, comment ils sont allés célébrer. Et c'est tout le monde se posait la question, mais comment expliquer ça? Voilà. Un groupe des évêques chez un monsieur réputé, hein, et ça ce n'est pas moi qui le dis, réputé criminel. Criminel. Mais ce n'est pas vous qui le dites, c'est un criminel parce qu'il est poursuivi en France jusqu'à aujourd'hui pour ses faits. C'est un criminel. On connaît au Congo-Brazzaville ce qu'il a posé comme acte. Mais ça, c'est des faits, effectivement.
Ils se sont retrouvés chez Ndenge. Posez-vous la question de savoir pourquoi ils se sont retrouvés là-bas, aller dîner là-bas, pour quelles raisons, quel est le statut de Ndenge. Il n'y a pas le ministre de l'Intérieur pour recevoir toute une conférence épiscopale. On ne sait pas, mais mieux, je vais vous apporter encore une indiscrétion. Lorsque le pape s'est retrouvé a annoncé sa visite en RDC, en visite officielle, l'archevêque de Brazzaville, je dis là ce que je dis là, si je montre qui vient, qui me porte plainte. L'archevêque de Brazzaville, en connivence avec Madame Arlette Soudan Nono, qui est la ministre de l'Environnement, se sont retrouvés au Vatican pour faire du lobbying. Lobbying pourquoi? Pour que le Vatican traverse. J'étais parmi les gens qui ont fait du contre-lobbying pour faire échouer ce projet. L'archevêque de Brazzaville, celui-là hier qui pleurait. Vous voyez les relations incestueuses. Ils ont tourné le dos à leur vocation. Et ils ont tourné le dos à leur vocation depuis le retour de M. Denis Sassou Nguesso, parce que M. Denis Sassou Nguesso a compris une chose. S'il avait perdu le pouvoir, parce qu'à l'époque, l'Église avait joué son rôle à travers le Monseigneur Kombo. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon, quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécutés, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour, parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Et qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois revenu au pouvoir, il doit détruire les syndicats, je l'ai dit tout à l'heure, il a détruit les syndicats, il doit détruire l'école, on n'aura plus d'intellectuels, il doit détruire les assemblées, désacraliser l'Assemblée nationale, il doit désacraliser l'armée, vous allez voir aujourd'hui des moins que rien qui deviennent des officiers généraux. Bref, toutes les forces vives, toutes les institutions, il faut les désacraliser, les détruire pour dérouler en fait son cheminement, pour conserver le pouvoir comme il veut. Et aujourd'hui, on vient de découvrir que l'Église qui se cachait derrière les soutanes, en réalité, l'Église a intégré l'Évangile selon Saint-Denis, qui consiste à accompagner les oppresseurs, un régime qui oppresse le peuple de Dieu. Et le régime, l'Église a trahi véritablement sa vocation et son sacerdoce. Et à travers cette réunion, en 2 jours, bon, tous ces gens, comme par hasard, ont voulu nous vendre l'opium pour assouvir, sinon dormir le peuple qui revendique un certain nombre de choses pour son bien-être. Alors évidemment, l'Église semble avoir tourné donc le dos aux Congolais, c'est ce qu'il faut dire pour l'instant, puisque les réactions, toutes les réactions que nous sommes en train de lire sur les réseaux sociaux, en tout cas, toutes, je dis bien, toutes vont dans le sens de condamner ce communiqué. Alors, mais nous savons également, il nous a été dit d'ailleurs sur ce même plateau par un prêtre en plus, hein, qui était à Brazzaville. Bon, actuellement, il est donc à l'extérieur, qui nous disait que finalement, il y a des prêtres qui sont payés par le gouvernement congolais, c'est-à-dire des prêtres qui émargent au trésor public congolais. Et je me posais la question, comment est-ce possible? Il me disait, ben, ce que je te dis là, on va vérifier, tu verras, il y a un bon nombre de prêtres qui émargent évidemment au gouvernement congolais, donc qui sont payés, les salaires sont payés par le gouvernement congolais. Et là, on vient de comprendre par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais alors, ici, je voulais m'intéresser un peu sur les éléments qui ont été mis à leur disposition. Les prêtres parlent de 5 accords.
Et d'entrée de jeu, je rappelais qu'il y en avait beaucoup plus. Qu'est-ce qui a dû pousser Anatole Collinet à cacher les autres accords au prêtre? Mais, monsieur Christian Perrin, il faut déjà expliquer aux Congolais l'axe Kigali-Brazzaville, c'est quoi? L'axe Kigali-Brazzaville, c'est-à-dire qui sous-entend ces accords, c'est une volonté d'un pouvoir à travers Christel Sassou Nguesso et son père, et de l'autre côté, Kagame et son clan, pour deux ou trois objectifs. Le premier objectif, c'est de permettre à M. Denis Sassou Nguesso soit de conserver le pouvoir, soit de transmettre le pouvoir à son fils. Et la garantie qu'ils ont, c'est de faire en sorte que Kagame, avec ses troupes, parce que Kagame est devenu presque Le gendarme de l'Afrique. le gendarme de la sous-région et de l'Afrique, c'est ce qu'ils ont fait au Mozambique, c'est ce qu'ils font en ce moment en RCA, c'est ce qu'ils veulent faire un peu partout ailleurs. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, et permettre aussi à Kagame, non seulement de conserver, d'être à portée de canon de Kinshasa, parce que à l'est de la RDC, ils ont des difficultés à arriver jusqu'à Kinshasa, à déstabiliser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le pouvoir par la tête, comme ils avaient fait avec Kabila père, afin d'installer un pantin comme hier. Et la preuve en est, la dernière illustration, on y reviendra certainement à une autre émission, c'est le fameux coup d'État qui a manqué. Ça, c'est la partie, les clauses de la partie Sécurité. rwandaise. Le reste, ce n'est que des saupoudrages, j'y reviendrai. Mais de l'autre côté, la partie congolaise plutôt, la partie rwandaise, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Donc, ce qu'ils ont mis comme architecture à travers ces accords, c'est quoi? Il y a l'accord cadre. Il faudrait que les Congolais comprennent. L'accord cadre qui est l'architecture. Or, lorsque vous regardez cet accord cadre-là, rien que cet accord cadre qu'ils ont mis à notre disposition, il y a déjà des clauses, des articles qui posent un gros souci au niveau juridique. Je ne veux pas y revenir, je veux pas y revenir parce que les articles 9 et autres, par exemple, quand on parle des problèmes de nationalisation, on ne peut pas le faire. On parle, par exemple, de 10 ans avant qu'un accord soit examiné. Donc, les clauses même dans l'accord cadre posent déjà un problème et on sent véritablement que c'est une véritable arnaque qui ne dit pas son nom. Maintenant, à travers cet accord cadre, il y a des accords spécifiques, plus de 33. Mais il y a des accords bateaux, par exemple sur le tourisme, la formation professionnelle. Ça, c'est des accords bateaux qui relèvent d'une coopération bilatérale normale. Mais par contre, il y a des accords spécifiques très sensibles. Je commence par les accords de défense et de sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, bouche cousue. Et comme par hasard, est-ce un hasard, signé par qui? Denis Christel Sassou Nguesso, en novembre 2021, au cours comment ils appellent ça, une commission mixte en plein Covid, commission mixte en distanciel entre le Rwanda et le Congo. Mais est-ce Accord de défense. que le ministre de la Défense était présent? Non. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Novembre 2021, j'ai des archives. Monsieur Christel Sassou Nguesso se retrouve avec ses collaborateurs en visio et il signe les accords de défense et de sécurité qui ont été entérinés le 12 avril 2021. Nous sommes en 2021. Et effectivement, vous avez bien fait de poser cette question sans la présence du ministre de la Défense. Moi, j'ai été conseiller à la coopération dans un ministère. Je sais comment ça se passe. Lorsqu'il y a une commission mixte, tous les dossiers en examen, lorsqu'il y avait un dossier sur le tourisme, le ministère des Affaires étrangères envoyait une note de présentation à mon ministère, à mon ministre, et à mon ministre de déléguer son conseiller à la coopération ou autre pour aller défendre notre dossier. Alors, comment vous expliquer qu'il y a un dossier relatif à la défense et de la sécurité et il n'y a ni le conseiller coopération du ministre de la Défense, ni le concerné? Et cet accord est signé par qui? Christel Denis Sassou Nguesso, raison pour laquelle je vous ai dit tantôt que les clauses non transparentes, c'est bien entendu
des clauses pour la conservation du pouvoir. Je vais aller encore sur deux ou trois accords sensibles. L'accord sur l'exploitation minière. Mais croyez-moi, Monsieur Pierre Oba est dans tous ses états parce qu'ils ont signé, Christelle Sassou Nguesso toujours, a signé des accords sur l'exploitation minière. Mais le ministre de mines, c'est pas Christelle Sassou Nguesso. Je vais plus loin. L'accord sur l'agriculture, la fameuse agriculture, je peux vous faire une indiscrétion. Le concerné, il m'écoute là, il sait que c'est vrai ce que je dis. Dans un avion, en partance pour Brazzaville, Paris, il s'est plaint pour dire, lui, il ne comprend pas, alors que c'est le ministre de l'Agriculture, pourquoi Christelle a signé cet accord, alors que M. le Président Denis Sassou Nguesso a fait de l'agriculture la priorité, la priorité. Et bien entendu, on vient sur l'accord de cessation ou de cession des terres et autres, toujours dont on n'a pas la disposition en main. Et bien entendu, l'accord avec Christelle Venture sur la zone économique de Maluku, qui a porté de connaître de Kinshasa. Donc, rien que pendant les accords... Pendant que vous dites ça, évidemment, finalement, Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est un ministre tout en un, c'est ce qu'on peut comprendre ici, qui fait tout, qui peut signer tous les accords du gouvernement à lui seul, parce que bon, c'est un ministre probablement aussi beaucoup protégé par son père, parce que s'il peut signer un accord militaire, bon, encore là, on se pose la question, puisque le chef suprême des armées, c'est le chef de l'État, est-ce que son père savait ce qui se passait? Mais bref, ça, on le saura peut-être après. Vous avez parlé de Maluku, mais il y a aussi Mindouli, qui sont des zones qui ont été circonscrites et données aux Rwandais, alors que la loi 21-2018 du 13 juin 2018, fixant les règles d'occupation et d'acquisition des terres en République du Congo, interdit de céder les zones frontalières. Or là, évidemment, nos voisins de Kinshasa voient cela d'un mauvais œil. Je ne sais pas si ces jours-ci vous avez suivi les médias de la RDC. Alors, tous sont furieux de savoir que finalement, le Congo, Brazzaville, hébergerait des soldats dans ces zones frontalières. Et quand Christelle signe, par exemple, ces accords, il est bien conscient que c'est interdit par la loi, en fait. Et les accords qui ont été mis à disposition des prêtres, bon, là encore, ben, je viens de comprendre, finalement, les prêtres n'ont pas eu accès à ces accords pour comprendre que, ben voilà, c'est des accords qui exposent le Congo-Brazzaville. Mais je sais que les prêtres sont quand même sages. Ils auraient réfléchi. Ils auraient demandé des textes pour aller les examiner avant de faire un communiqué ou une quelconque déclaration. Comment aller une telle rencontre et 2 heures de réunion suffisaient pour analyser les 5 accords? Est-ce que c'était possible? Monsieur Christian Perrin, vous venez de le dire. Vous parlez de sagesse. Moi, je parlerai de l'expertise et de l'intelligence. On doit le leur accorder. Parce que ne devient pas évêque qui le veut. Il y a même Daniel Mizozo qui est parmi la conférence épiscopale. C'est des gens qui ont fait philosophie à Marien-Gouabi. Il y en a qui ont fait droit et autres à Marien-Gouabi. Vous avez posé là un problème, par exemple, à Mindouli. Des gens qui réfléchissent. Ils savent que dans le pool, là, il y a des ex-combattants qui attendent de quoi? Qu'on puisse les utiliser pour leur donner la possibilité de vivre décemment. Mais pourquoi ils n'ont pas posé la question à Colinet Makosso pour dire, ben, vous voulez faire venir les Rwandais pour planter le piment. Mais pourquoi vous n'utilisez pas ces gens-là? Par exemple, lorsqu'on dit qu'eux-mêmes, lui-même, quand il dit, nous ne sommes pas corrompus, parce qu'il sait qu'il est corrompu, parce que le bon sens aurait voulu qu'il se pose à ces genres de questions. Mais pourquoi vous voulez faire venir des Rwandais alors que la main-d'œuvre est là? Et cette main-d'œuvre, si on ne l'utilise pas, cette main-d'œuvre va devenir bébé noir. Ils ne se sont pas posé des questions-là. Ils ne se sont pas posé la question de savoir, mais pourquoi vous voulez installer les Rwandais comme par hasard dans la partie sud du Congo-Brazzaville alors qu'il y a des contentieux là-bas? Donc, pourquoi ils n'ont pas dit à Colonel Makosso d'aller, qu'on donne les terres dans la cuvette, à Oyo, à Tikapika, ou je ne sais pas quoi, pourquoi? C'est le bon sens qui aurait voulu qu'ils s'interrogeât dans ce sens-là. S'ils ne l'ont pas fait, c'est de deux choses l'une. Ou ils ont signé un communiqué qui a été rédigé par Ngakala et les autres, ou de l'autre côté, on leur a dit, faites semblant de venir,
La contrepartie, vous la connaissez. Bref, ils sont compromis dans la forfaiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on s'attaque à ceux qui sont dans l'effectivité du pouvoir, les Congolais doivent s'en prendre au clergé parce qu'ils seront coupables, complices de ce qui arrive déjà dans notre pays et qui risque de prendre le contrôle d'une bonne partie du Congo-Brazzaville, eux, ils seront responsables. Demain, lorsque la RDC va nous attaquer parce qu'ils estiment que nous sommes devenus un danger pour le pouvoir du président Tshisekedi, eux, ils seront rendus coupables. Voyez-vous? Donc, comment tout qu'on descende, tant dans la forme que dans le fond, ces gens se sont comportés véritablement comme des alliés objectifs du pouvoir actuel afin d'asseoir une force d'occupation et de faire du Congo-Brazzaville le vassal du Rwanda. Et donc, lorsque vous parlez de sagesse, parce que vous avez eu raison de parler de sagesse, parce que c'est une autorité morale. C'est des autorités morales. Donc, la sagesse, il devait convoquer cette dimension d'éthique pour se dire, mais attendez, lorsqu'on contracte, lorsqu'on voit la loi, mais la loi ne se lit pas de manière linéaire, une loi se lit de manière transversale. On se pose la question, juridiquement, est-ce que le contracteur là, est-ce que c'est bon? Non, non, c'est pas bon. Est-ce que, sur le plan historique, c'est qui le contractant? C'est le Rwanda. Ah, mais le Rwanda est menaçant dans tel truc. On peut pas. Sur le plan géopolitique et géostratégique, on a parlé de tous les voisins qui n'en veulent pas. Et sur le plan même de anthropologique, la Terre a une dimension symbolique forte. Et ils savent eux-mêmes, les notables. Moi, je me souviens, je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Gomboma. Lorsque le prêtre a été, non, l'évêque a été ordonné et installé. Mais on a fait venir le roi de Mbaya, parce que ma mère est originaire de Mbaya. Il devait venir en tant que chef de terre et le chef de terre de Gomboma pour donner une espèce d'onction. Parce que on devient des partenaires. Moi, je suis chef de terre. Toi, tu es le représentant de l'annonce apostolique parce que tout simplement, le Vatican, c'est un État. Et ces gens-là sont venus à travers ce communiqué acter le viol symbolique de la dépossession de nos terres par qui? Par les Rwandais. Ils sont venus accorder leur satisfaction, donner leur onction là. Mais c'est gravissime. C'est comme ce qui s'est passé lorsque le cardinal a été assassiné. Parce que jusqu'à aujourd'hui, l'Église est restée pratiquement silencieuse. Et encore, monsieur Christian Perrin, dernièrement, on a voulu profaner la tombe du cardinal Biaïnda. On attend jusqu'à jour les rapports. L'archevêque de Brazzaville, le même qui se plaignait hier, qui pleurait hier, il nous avait promis des rapports, non? Voyez-vous, dernièrement, il est venu ici l'année passée pour commémorer le décès du cardinal. Et il s'est attaqué à qui? À la diaspora. Ah, mais la diaspora, elle parle trop. Parce qu'on lui demandait, mais les rapports sont où? Les rapports de police sont où? Qui a commandité la profanation? Et lorsqu'on parle de complicité, lorsqu'on parle de compromission, lorsqu'on parle de relations incestueuses, tous ces faits-là le démontrent qu'ils sont dans une relation incestueuse avec le pouvoir pour asseoir un pouvoir qui est en train de tyranniser, d'oppresser en fait les enfants de Dieu que nous sommes. C'est bien dommage, mais bon, alors donc, C'est dommage. si j'ai bien compris, les accords dont font état les prêtres ou les évêques, puisqu'ils parlent de 5 accords, et là, ils ont même dans le communiqué, c'est ce que j'ai semblé lire, qu'il s'agit de 5 autorisations provisoires d'occuper. Alors là, je n'ai rien compris du tout. 5 autorisations provisoires d'occuper, alors que le décret qui est présenté depuis là par Anatole Koliné-Makoso, concerne les 11 000 hectares de Yamba. Troisième projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation expresse d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais
a été délivré par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agro-pastorales. Alors, les cinq accords ou cinq autorisations d'occuper, il faut allusion aux 121 000 hectares de terre dont parlait Christelle Sassou Nguesso lors de la conférence de presse à Kigali, mais je ne pense pas parce que dans le décret, évidemment, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, on ne parle que des 11 000 hectares. Donc, j'ai l'impression que les prêtres ou les évêques n'ont même pas eu accès à cet accord où on parle de 121 000 hectares de terre déjà localisées. Parce que c'est ce que Christelle Denis Sassou Nguesso disait. Donc, disons l'accord qui prend en compte le Poule, la Bouenza et le Niari. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poule. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. Dans le communiqué publié par les prêtres, on ne fait allusion que du décret 2022, bien sûr, 258 du 18 mai 2022, donc, qui parle de l'autorisation express d'occuper les réserves foncières plutôt, de l'État. Et là, on ne parle que de Yamba, on ne parle pas de Poule, on ne parle pas de la Bouenza, on ne parle pas de l'Uniari. Et c'est là toute la confusion, et moi je ne comprends pas finalement quel est le document qui a servi de base pour se communiquer. Votre analyse et les points que vous voulez de soulever confortent en fait la thèse que ce communiqué a été rédigé ailleurs, ils ont mis leur signature. Parce que non seulement Coline Makosso lui-même se contredit, il est en contradiction avec Christelle Sassou Nguesso. Christelle Sassou Nguesso qui est en contradiction avec l'autre monsieur Tchati Mabiala. Et eux, ils viennent sortir encore des éléments qui sont en contradiction avec les précités. Vous voyez bien que ces histoires d'accord, c'est du banditisme en bande organisée. Du banditisme en bande organisée. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut nous dire, voilà l'accord cadre, voilà les accords spécifiques, et regardons les interréactions. C'est l'opacité totale. Raison pour laquelle il a été obligé. Oui, certainement, il a reçu des coups de fil de ses confrères, où il disait, s'ils nous ont caché. Ben oui, c'est pas qu'ils vous ont caché, c'est vous qui avez joué le jeu du pouvoir. Parce que, monsieur Christian Perra, utilisons le monde opératoire, imaginons un monde opératoire des gens qui sont sincères. Moi, à leur place, sollicité par le pouvoir, qu'est-ce que j'allais faire? Ils ont des congrégations dans toutes les régions concernées. Ils allaient aller sur le terrain. Ah ouais, première chose, ils sont en train d'identifier, d'autant plus qu'ils ont des VX, donc ils ne peuvent pas trouver des prétextes pour ne pas se déplacer. Ils ont des VX. Secondo, consulter les populations, même en prenant un échantillon des populations. Ils vont dans la Bouenza, mais qu'est-ce que vous pensez? Ils vont écouter. N'est-ce pas? Question, la diaspora et ceux qui sont sur le terrain, les hommes politiques ont fait un travail considérable. Ils vont aller consulter l'opposition à Brazzaville. Ils peuvent constituer la diaspora. Chacun de nous a apporté des arguments juridiques, politiques, géopolitiques et géostratégiques. Ils font la synthèse de tout ça. Et dans ce pays, il y a quand même encore des figures, ne serait-ce que sur le plan historique. Théophile Obenga, ils peuvent aller voir Théophile Obenga. Monsieur Théophile Obenga, qu'est-ce que vous pensez des problèmes de terre? Théophile Obenga, comme c'est, il allait leur dire, la terre, c'est quelque chose de symbolique. Voilà, ils peuvent aller voir des juristes.
il y en a encore, j'espère, à la faculté de droit. Ils n'ont rien fait de tout ça. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés pendant 3 jours. On leur a dit, on va vous envoyer le communiqué ou on va vous envoyer ce que nous avons. Et ils ont pris 2 ou 3, l'accord cadre et tout. Ils le disent eux-mêmes. Hein. Ils ont, dans le communiqué, ils parlent que de l'accord cadre. Ils ont vu l'accord cadre. Ah, ben, qu'est-ce que tu penses, Minzozo? Oh, ben, c'est bon. Oh, ben, les Congolais, là, ils sont de la spéculation. On n'a pas parlé de ces gens. Allez, on se retrouve autour des petits fours chocolinés Makossa. Mais lorsqu'ils parlent de corruption, la corruption n'est pas seulement active, elle est passive. Elle est passive. Je sais ce que ça veut dire, travailler dans un ministère. Hein. Ce n'est pas le jour là qu'on vous donne l'ingiri. L'ingiri peut arriver plus tard et sous d'autres manières. Bref, ils se retrouvent autour des petits fours, la télé vient, machin quoi, et ils se disent, bingo, l'autorité morale va faire un communiqué. Alors, ils sortent de là. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a même une espèce de contradiction entre celui qui a parlé, l'évêque, à la sortie de la rencontre, et le communiqué qui sort juste après. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons recueilli des informations, on va examiner. Mmh. Donc, certainement qu'ils ont examiné dans le bus. Le bus qui les conduisait à la cathédrale, ils ont eu le temps d'examiner tous ces accords-là et ils ont pondu le communiqué. Voyez-vous, nous sommes là dans un circuit presque mafieux, des hommes en soutane qui ont oublié leur vocation et aujourd'hui qui se comportent en véritable évêque défroqué. Et cela au détriment de la population. Parce qu'ils ont tourné le dos à la théologie de la libération. Parce que la théologie de la libération voudrait que ces gens puissent s'occuper véritablement des populations. Mais je vais encore apporter un autre argument. Monsieur Christian Perrin, vous et moi, lorsqu'on est arrivé au monde, qu'est-ce qu'on a pris comme première boisson? L'eau. Aujourd'hui, les Congolais sont privés d'eau depuis je ne sais pas combien d'années. Vous avez vu les prêtres se mettre debout pour ça. Ça devait être une occasion pour que les prêtres soient véritablement dans la doctrine sociale de l'Église. Les Congolais meurent comme des mouches aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu les prêtres ne serait-ce que rédiger un communiqué ou examiner ce point? Zéro mokati. Les Congolais aujourd'hui n'ont pas d'électricité. N'ont pas d'électricité. Mais ça encore, ça peut passer. Mais, monsieur Christian Perrin, lorsque on se réveille chaque matin, en voyant les jeunes, quelle que soit la nature de ces jeunes-là, pseudo, kuluna ou quoi, immolés, on brûle les gens dans un pays qui est censé avoir un clergé. Vous avez vu les prêtres se lever? L'acte d'immolation. Mais il y a une interprétation biblique à cela. Le sang des Congolais brûlés, il n'y a pas de réaction. Le sang des Congolais qui coule tous les jours avec les accidents, il n'y a pas de réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont précipités juste pour l'histoire des accords, 2 ans après. Et si le pouvoir là est satanique, c'est-à-dire que l'Église du Congo, c'est une église maléfique. Et comme il y a une convergence des identités maléfiques, on se retrouve avec un pays qui est complètement maudit. Parce que l'église devait être là comme la conscience morale et éthique pour faire régner la parole divine, pour faire régner la théologie de la libération. On le voit à Kinshasa, on le voit au Cameroun, on le voit au Togo. On le voit au Sénégal. Mais pourquoi au Congo, ça ne se passe pas? Donc, aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, le réquisitoire que nous faisons contre l'Église, c'est fondé. Et ces gens doivent se remettre en cause. Et la première manière de se remettre en cause, c'est de faire un communiqué, un contre-communiqué, pour dénoncer ce qui a été écrit. Là. Parce que l'affaire des terres, là, comme on le dit, Ali Makamamabele, on nous a privés de tout, d'éducation, l'affection de nos parents, de tout. Mais on ne peut pas nous priver de nos terres. Ça, ce n'est pas possible. Et il faudrait qu'ils le comprennent une fois pour toutes.
Évidemment, ce n'est pas possible. On va donc clôturer. Le temps qui nous a été imparti est presque à la fin. Mais bon, alors, donc, on a également, puisque nous parlons de ce communiqué, la conférence des évêques a indiqué également que le protocole d'accord, les protocoles d'accord, c'est ce qu'ils ont dit, sont encadrés par les textes législatifs en vigueur au Congo-Brazzaville, alors que tout le monde sait que ces accords violent de manière flagrante d'ailleurs la constitution congolaise, en ses articles 5, 44, pour ceux qui veulent aller vérifier, bien entendu, 53, 217, 219, etc. Alors, pour les gens qui ont fait le droit canonique, je ne pense pas que ces éléments leur ont échappé. Et c'est là où moi je veux savoir, est-ce que c'est justement, est-ce qu'on peut parler de trahison, c'est-à-dire que l'Église catholique a trahi ses fidèles, ou c'est simplement un manquement? Non, un manquement, c'est un euphémisme. Ils sont non seulement dans la trahison, mais ils sont dans la forfaiture. C'est comme vous prenez un homme avec une soutane qui est en train de traverser avec l'opium dans un aéroport. Ils se sont comportés ainsi. Parce que l'évangile, selon Saint-Denis, c'est l'opium qu'on veut donner au peuple. Qu'est-ce que dit M. Denis Sassou Nguesso? Non, je veux vous construire on va planter les kwanga, machin quoi. Ah, je ne veux pas les bébadoula. C'est ça, Saint-Denis. Et les gens dorment lorsqu'ils écoutent ça, ah, formidable. C'est ça, l'évangile selon Saint-Denis. Ah, restez tranquille, il y a la paix. Eux, ils nous ont dit, là. Il faut pas. Et les gens qui ont faim sont en paix. Les gens qui n'ont pas d'eau sont en paix. Les gens qui n'ont pas d'électricité sont en paix. Les jeunes qui n'ont pas de travail sont en paix. Si la réponse est non, pourquoi diable ces évêques prennent possession de l'évangile selon Saint-Denis comme l'opium et ils traversent tout Brazzaville pour aller inoculer auprès des fidèles? C'est de la forfaiture. Ce sont des délinquants religieux. C'est de la délinquance religieuse. Ils ont tourné le dos à la vocation véritable de l'Église. Et en réalité, ce qu'on leur demande, ce que je demande, non seulement qu'ils reviennent sur ce communiqué pour se repentir, parce qu'ils nous demandent de se repentir, non? De se confesser. Ils doivent se confesser. La meilleure manière pour eux de se confesser, c'est de faire un contre-communiqué. Et en cela, la conséquence qu'ils devaient tirer, c'est de s'approprier la théologie de la libération. Je vais leur dire ce que c'est que la théologie de la libération. C'est un courant de pensée théologique chrétienne venu de l'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant d'intolérables conditions de vie. Elle se veut un cri prophétique pour plus de justice et pour un engagement en faveur d'un règne de Dieu, le règne de Dieu, commençant déjà sur terre. C'est sur terre qu'on veut le règne de Dieu. La réflexion théologique part de la base. Le peuple rassemblé lit la Bible et y trouve ressources et inspiration pour prendre en main son destin, monsieur Christian Perrin. Voilà ce qu'il doit faire. Ils doivent prendre l'opium, remettre à Denis Sassou Nguesso et à son pouvoir l'opium là qu'ils ont pris et s'inscrire dans la théologie de la libération comme a eu le faire le cardinal Émile Biaïnda, comme a eu le faire Monseigneur Kombo et d'autres évêques qui les ont précédés. Et ce n'est que de cette manière-là que le règne de Dieu sur terre se fera, parce qu'aujourd'hui, le peuple congolais est opprimé. Mais quoi qu'il arrive, je dis aux Congolais, seule la lutte libère. On entend les prophéties là, ah, le pouvoir va chuter. D'accord, mais seule la lutte libère. Nous devons continuer le combat au quotidien, parce qu'aujourd'hui, les conditions subjectives et objectifs sont réunis pour mettre un terme à ce régime. Oui, Voilà parce que mon avis. évidemment, le régime est en train de perdre le combat, sinon il n'allait pas se rapporter vers l'Église. C'est parce qu'ils ont senti qu'ils ont
perdu presque tout le combat médiatique, d'information, et là aussi sur le terrain, de plus en plus les jeunes sont en train évidemment d'élever les voix sur d'autres questions. Et on a vu aussi dernièrement comment est-ce que la police a commencé à finalement à faire des rafles. Et j'ai lu un communiqué du CAD, hein, voilà, qui parlait évidemment de ces d'une rafle par la police. Alors, ce sont là des signes qui ne trompent pas. C'est que le pouvoir de Brazzaville est en train de vaciller, mais alors il faut donc continuer à se battre. Seule la lutte libère, et tout à l'heure on a dit à l'église de faire son mieux pour évidemment libérer le peuple congolais d'intolérables conditions de vie. On ne reviendra pas là-dessus. Ils sont sur place, ils voient comment les Congolais sont en train de vivre, mais dans des conditions sociales vraiment précaires. Merci Guy Mafimamotoki d'avoir encore été Merci avec Christian. nous. Merci, je vous en prie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, les petits gestes, je ne cesserai de vous le rappeler, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir massivement partagé. Question de nous aider à parfaire notre référencement et d'atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Mais dites-nous également en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Je vous en prie.